Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, samedi 27 mai de la 7e semaine de Pâques. Ô Esprit Saint, tu es l'Esprit aux sept dons, le joie de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis. Toi qui inspires nos paroles, viens nous visiter. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Le bruit courait donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites et s'il allait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus invite Pierre à ne pas s'inquiéter du sort du disciple qu'il aimait. Jésus se préoccupe ainsi du sort de chacun, chacune d'entre nous. On dirait que Jésus a pour chacun de ses disciples un amour particulier, une prédilection particulière. Voilà l'expérience que Jésus nous invite à faire, chers frères et sœurs. Le christianisme, suivre le Christ, c'est entrer dans cette expérience personnelle où l'on se sent aimé de Dieu, où l'on se sent privilégié de Dieu. Ainsi donc, le Seigneur veut que nous soyons des témoins. Le Seigneur nous veut à sa suite. Le Seigneur nous veut ses fils et ses filles qui témoignent de cet amour et qui vivent de cet amour. Que cette célébration nous aide à demeurer dans la vérité, à être témoin de cet esprit de vérité pour être de vrais fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.